Mes sœurs, ma famille savait déjà que mon mari l'était, je l'avais dit, quoi. Mais moi, j'étais pas à ce moment-là, quoi. Donc, mais mes sœurs étaient au courant. Mais ils ne savaient pas comment je l'ai attrapé. Je n'ai jamais dit à mes sœurs et à ma famille que je l'étais pour pas, justement, qu'ils en veulent à mon mari. Et c'est seulement quand j'ai quitté mon mari que j'ai seulement avoué à ma famille que j'étais aussi séropositive. Mais non, d'un soutien, pas possible. Oui, ça, je peux dire, au contraire, c'était encore maintenant. À chaque fois, on me demande, quand j'étais ici dernièrement à l'hôpital, chaque fois que mes effets secondaires, enfin, mes médicaments ont fait des effets secondaires, à chaque fois, ben, quand je sors, comment est-ce que tu vas, et tout le monde se tracasse quand même pour ma santé, hein. Il y a quand même, je veux dire, une ville qui fait plus village, mais quand même qui se tracasse pour les gens. Non, à chaque fois, et que si je vais boire rapido, je vais dire boire un verre, on me croise dans le train, ben, on me pose la question, comment est-ce que tu vas? T'as beaucoup maigri, t'as repris, t'es mieux. Non, non, et alors on vient me voir, hein, j'ai un soutien pas possible dans le train, non. Ce n'est pas tabou, quoi, je vais dire. Enfin, on ne doit pas en faire un. Ben, pour moi, ce n'est pas, et pour les gens de toi, ben, on en parle librement. Et ça ne crée pas de problème. On m'a jamais repoussé, du moins.